Pour moi, cela n'a pas le moindre rapport avec l'enquête. Non, c'est tout à fait privé. Et cela devrait peut-être le rester. Une des filles de cuisine, Simmons, dit qu'elle a vu le majordome, un revolver à la main, dimanche après-midi, monsieur l'inspecteur. Je suis vraiment désolé, monsieur, mais je n'ai pas songé à mentionner la chose. Vers 17h30, j'ai vu un revolver posé sur la table du hall d'entrée. Je l'ai pris et l'ai apporté ici. Et je l'ai remis où il semblait avoir sa place, sur l'étagère. C'était quelle arme, Gudgeon? Celle-ci, monsieur. Mais ce n'est pas un revolver, c'est un pistolet automatique. Je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas une grande connaissance des armes à feu, monsieur. Sir Henry, je voudrais faire relever les empreintes. Je doute qu'il y ait la moindre empreinte, monsieur. Pourquoi? Parce que je l'ai nettoyé avec mon mouchoir avant de le remettre en place, monsieur. Mais pourquoi avoir fait une chose pareille, voyons? J'ai pensé qu'il était poussiéreux, monsieur. Comme il est agréable de vous voir, monsieur Poirot. Il y a une pauvre petite dans la cuisine qui pleure toutes les larmes de son corps, Gudgeon. Pourrais-je savoir ce que vous leur avez dit à propos de ce pistolet? Rien de grave, ne vous inquiétez pas. Je vais tout expliquer, vous pouvez disposer. Ce pauvre cher Gudgeon, il fait tant d'efforts pour nous éviter des problèmes ou des soucis. C'est un peu le Moyen-Âge chez nous, vous savez. Mais il n'a pas trouvé le pistolet dans le hall du tout. Non, 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 non. Il l'a découvert en récupérant les œufs. Les œufs? Quels œufs? Eh bien, je suis allée à la ferme ramasser les œufs. J'ai mis le pistolet dans le panier et ensuite les œufs frais sur le pistolet. À mon retour, j'ai vu John par terre. Comment dire, au plus mal. Et j'ai dû avoir un choc car j'ai failli tout laisser tomber. Mais ce cher Gudgeon est, comme d'habitude, venu à mon secours un peu plus tard. J'ai voulu inscrire la date sur les œufs. Sinon, vous savez, on a tendance à manger les plus récents avant les plus anciens et cela n'est pas bien du tout. Et finalement, Gudgeon s'en était occupé. Ah. Et de quel pistolet s'agissait-il, Lady Uncuttle? C'était un Mauser 25. Et pourquoi l'avoir mis dans le panier? Je savais que vous alliez me poser cette question, monsieur Poirot. Il est évident que j'avais une raison ce jour-là. N'est-ce pas, Henry? Je devais bien avoir quelque chose qui me trottait dans la tête, tout de même, pour avoir mis le Mauser dans le panier à eux, de façon très spontanée. Ma femme est... Elle a souvent... l'esprit ailleurs. Sir Henry, puis-je me permettre une question? Y a-t-il beaucoup de gens qui savent que la police peut identifier un pistolet par le biais des traces qui ont été faites sur une balle? Je pense que de nos jours, beaucoup de gens sont au courant, Poirot. J'allais emmener le chien en promenade. J'adore voir les maisons des autres. Cela vous ennuierait-il que j'entre? Je vous en prie, mademoiselle, soyez la bienvenue. Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir laisser le chien à l'extérieur. Tout est joliment en ordre. Vous détesteriez mon atelier. Il y a de l'argile absolument partout. Il y a de la glaise, des pots de peinture. Oh, je comprends très bien. Vous êtes une artiste. N'êtes-vous pas un artiste, vous aussi? Voyez-vous, je dirais... Non. Oh, bien sûr, j'ai connu des crimes artistiques, des chefs-d'œuvre d'imagination. Mais pour ce qui est de la solution, non. La créativité n'est pas un avantage. Ce qui est nécessaire, c'est d'être passionné par la vérité. Et une fois que vous l'avez, la vérité, une fois que vous savez, cela vous suffit? Ou devez-vous aller encore plus loin et du savoir passer à l'action? Pourquoi êtes-vous venue ici, mademoiselle Savernake? Comme je vous l'ai dit, j'emmenais le chien en promenade. C'est curieux, je n'ai pas vu de chien lors de ma visite chez les Uncuttle. C'est peut-être bien parce qu'ils n'en ont pas.
Je l'ai emprunté au jardinier. En fait, je n'aime pas trop les animaux, les chiens, les chevaux. Ce sont d'horribles créatures malodorantes. J'avoue ne pas être quelqu'un de particulièrement franc. Non. Mais je pense que vous êtes une personne intègre. L'enquête judiciaire est demain. Est-il nécessaire que la police sache que j'étais la maîtresse de John Christo? Vous étiez amant. Je ne crois pas que la police ait la moindre difficulté à le découvrir. Je suppose que non. Mais pourquoi Gerda devrait supporter ça? Elle adorait John, et il est décédé. Je n'ai pas brisé leur mariage. Je faisais partie du défilé avec Veronica Gray et toutes les autres. Alors c'était ce genre d'homme? Non. C'était quelqu'un de bien. Qui avait de la noblesse. Il faisait un travail de recherche sur une maladie débilitante qui s'appelle Ridgeway. Il n'y a aucun traitement pour l'instant. Il a travaillé dessus jour et nuit pendant des mois. Sa curiosité, sa détermination. Oh, si vous pouviez comprendre. Mais je comprends. C'est vrai. Mmh. Vous avez mentionné Veronica Cray. Elle aussi était une amie du docteur Christo. Ils avaient été fiancés il y a 12 ans. Ah, vraiment? Écoutez, je n'irai pas par quatre chemins. Veronica était et est encore une personne sans la moindre valeur. Elle voulait que John abandonne la médecine et vienne avec elle en Californie. Il a donc annulé les fiançailles et tout de suite après a épousé Gerda. Il a eu beaucoup d'aventures, chose que Gerda n'a jamais su. Mais il n'avait jamais vraiment oublié Veronica. Et ils se sont retrouvés samedi dernier, pour la première fois depuis 12 ans. Il est allé chez elle, n'est-ce pas? Et il est rentré chez lui à 3 heures du matin. Oui, comment le savez-vous? La bonne avait mal aux dents. Lucie a beaucoup trop de domestiques. Et vous, comment le savez-vous? Je l'ai vue arriver de ma fenêtre. Vous aviez aussi mal aux dents, mademoiselle? C'était une autre sorte de mal, monsieur Poirot. Lorsque vous m'avez vu avec un pistolet à la main, Simmons, la meilleure chose à faire aurait été de me dire « Monsieur Gudgeon, seriez-vous assez aimable de me donner une explication ?» Oui, monsieur Gudgeon. Il n'y a pas pire chose que d'aller papoter avec la police. Cela est commun. Que deviendrait madame si nous avions tous ce genre de comportement? Lucie, pourquoi as-tu pris ce pistolet? Oh, mais je ne sais plus très bien, Henry. Je me souviens, en revanche, de m'être réveillée ce matin-là avec une sorte de prémonition qu'il pourrait éventuellement arriver un accident. Un accident? Mais qui aurait pu avoir un accident? Mais enfin, c'est évident, John Christo. On se sent toujours coupable, cela va de soi. Et on a tendance à se faire des reproches. Grand Dieu, Lucie! Oh, Henry. Oh, Henry. Oh, si tu savais, je suis tellement inquiète à propos d'Ainswick. Oh, et si jamais Edward ne se mariait pas, et c'est ce qui arrivera si Henrietta ne veut pas de lui. Tout disparaîtra, absolument tout. Ce sera démoli et vendu en minuscules morceaux. Oh, Lucie. Est-ce que c'est réellement très important? Mais enfin, bien entendu! Oh, Ainswick est ma maison. Ce sont nos terres. Ah. Non, quelqu'un devait l'éliminer. Lucie, ne me dis pas que... Oh, Henry, voyons. Tu ne penses tout de même pas sérieusement que c'est moi qui l'ai tué? Je l'ai invité ici, Henry. On ne fait pas venir les gens chez soi pour les supprimer, ce serait affreux. Votre tante appréciait-elle John Christo? Lucie? C'est une cousine, pas une tante. Oui, elle l'appréciait énormément. Et votre cousin, M. Edward Ancatel, l'appréciait-il? Pas particulièrement, non. Et appréciait-il Mme Christo? Le problème n'est pas là, elle est de la famille. Ah oui?
Nous ne sommes pas tous riches, vous savez. Gerda est issue d'une branche d'Ancatel plutôt modeste. Il faut avouer qu'elle est tolérée parce qu'elle est l'une des nôtres. Et pour vous, la tolérance, c'est aussi de coucher avec son mari? Pourquoi avez-vous pris le revolver des mains de Madame Christo et l'avez-vous jeté dans l'eau? Gerda est très maladroite. Elle aurait pu tirer et blesser quelqu'un. Mais vous n'êtes pas maladroite. Et pourtant, vous l'avez jeté. S'il y avait eu des empreintes sur ce revolver, entendons-nous bien, des empreintes qui étaient là avant celles de Madame Christo, il eût été intéressant de savoir à qui elles appartenaient. Vous voulez dire que c'étaient les miennes? Vous pensez que c'est moi qui ai tué John et qui ai laissé le revolver près de lui pour que Gerda le ramasse et se fasse piéger? Mais si j'avais fait ce genre de choses, j'aurais peut-être eu l'intelligence d'essuyer mes empreintes avant. Mademoiselle, vous savez parfaitement que s'il n'y avait pas eu d'autres empreintes que celles de Madame Christo sur ce revolver, cela aurait été anormal parce que vous vous en étiez tous servis le jour d'avant. Et ce n'est pas tout ce que nous avons découvert. Nous savons maintenant que l'arme qui a été jetée dans la piscine n'est pas celle qui a tué John Christo. On lui a tiré dessus avec une arme différente. Et vous pensez que c'est moi qui l'ai tué? Avant de mourir, John Christo a dit « Henrietta ». Nous étions amants, comme je vous l'ai dit. Oui, c'est vrai, vous étiez amants. Et donc, avant de mourir, il dit « Henrietta ». Comme c'est touchant. Je pense que les sarcasmes ne sont pas utiles. Je vous prie de m'excuser, mais je n'aime pas les mensonges. J'ai reconnu mon manque éventuel de franchise. Mais je ne suis pas une meurtrière, Monsieur Poirot. Véronica, petite minute, s'il vous plaît. Véronica, ma pauvre petite, je suis vraiment désolée. Tu n'as pas dormi beaucoup, je suppose. Qu'est-ce qu'un ajournement? Tu le sais, tu dois être affamée. Si tu venais déjeuner à la maison, hein? Il n'en est absolument pas question. Ce dont Gerda a besoin, ce n'est certainement pas de ça. Pouvait-elle bien voir en lui? Cette pauvre femme a le cœur complètement brisé. Oui, c'est affreux. Alors, tu es prête? Je vais rentrer en voiture. On peut y aller. Alors, nous partons. Au revoir, Edward. À plus tard. Edward! Il fait un froid. Oui, plutôt. Qu'est-ce que c'est? On dirait un peu Gerda, toute timide et voûtée. Elle a posé pour moi. Il ne faudrait surtout pas qu'elle voie le résultat. Je l'ai appelée l'adoratrice. Elle est en adoration devant qui? John. Tu as compris cette histoire du deuxième pistolet? Non, en tout cas, cela met Gerda hors de cause. On va manger un petit morceau et après je te raccompagne. We'll see our